va faire un Hardy View. Laura, vous pensez à quoi en ce moment? J'ai un peu peur de tes questions. Quand vous vous regardez dans la glace le matin, vous dites quoi? Je parle rarement à moi-même le matin. Tu trouves la gueule de bois même pour te parler à toi. Tout seul dans la salle de bain, ça m'arrive rarement. Oui. Tu aurais aimé ressembler à qui quand tu étais petite? Vanessa Paradis. Je l'adore. Depuis tout le temps. Toujours. Ah ouais. Ta plus belle histoire d'amour? En ce moment. Ah ouais. Mais bon, pour vivre heureux, vivons cachés, on va dire ça comme ça. Ouais. Est-ce que tu serais prête à tout quitter pour le grand amour? Ta carrière, tes parents, la France, ta religion? Oui. Ah oui? Oui, mais je pense que s'il m'aime, il ne me le demandera pas. Mmh. Quand on te demande une autographe, tu signes quoi? LS. Je sais pas. Bah, comme ça, les gens peuvent s'imaginer que c'est un autographe de Ludivine Sagné. Quand est-ce que tu as pleuré pour la dernière fois, Laura? Ah, c'était à Cannes pour la projection de Marie-Antoinette. Ça t'a fait pleurer, toi? Ah oui. Mais pourtant, il ne la tue pas dans le film? Oui, mais c'est pour ça que ça m'a fait pleurer. Ouais. Tu l'as aimé, ce film? J'ai adoré. Ah oui? Ouais. Tu es la première personne que je vois qui me dit... Bah, j'avais lu l'autobiographie, je trouve que j'adore sa vie, j'adore cette femme et tout ça. Et c'est vrai que le film, je trouve que c'est déjà d'une beauté incroyable. Et j'ai été très émue, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Qu'est-ce que tu changerais en toi si tu avais une baguette magique? J'essaierais de transformer mon angoisse en sérénité. Mais peut-être que je m'ennuierais plus, je sais pas. Quel est le péché qui vous tente le plus? La paresse. Ouais. Eh oui, je le sais. Bah oui, Et je le sais. Pourquoi? Parce que Frédéric me l'a dit. Ah bon? Bah oui. Mais c'est sympa. Qu'est-ce que vous pourriez dire de plus négatif sur vous? Bon, en ce moment, j'ai accepté des sacs gratuits. Pas mal. C'est un petit peu honteux. Ouais. Donc j'essaye de les donner. Oui, d'accord. Oui, c'est assez négatif, c'est bien. Si votre vie était à refaire, qu'est-ce que vous changeriez? Sans doute l'adolescence. Parce que c'est arrivé tôt, ça a duré trop longtemps et c'est un âge que je trouve très ingrat. Ouais. Je recommencerai pas ça. Ouais. Ouais. Quelle est l'insulte qui t'a fait le plus mal? À part Madame Becbédé qui fait... je crois que c'était à l'école. C'était un prof qui m'avait dit que... qu'avec mon nom, j'avais pas besoin de faire des études. Et c'est pour ça que ça m'a blessée, parce que ça, la vérité blesse. Qui as-tu le plus envie d'épater dans la vie? Mes parents, mon mec. Ta mère? Oui. Quand le téléphone sonne, t'es heureuse ou agacée? Ça dépend. Quel nom s'affiche? Quelle est la dernière chose que tu fais le soir avant de te coucher, Laura? L'amour. Dis donc. C'est ça les filles d'aujourd'hui. Hein. Je ne me rends pas compte, je n'ai pas de filles. Qu'est-ce que tu ferais si tu restais 24 heures à vivre? L'amour. Bah, pareil. Pareil, pendant 24 heures. D'accord. Je ne comprends pas. Ouais. Quel est le surnom qu'on te donne que tu es? Oh là là. Non, je suis obligée de dire ça. Ah ouais. Ah ouais. C'est New New. New New? Non, c'est horrible. New New! C'est monstrueux. Ah, c'est monstrueux, New New. Qui t'appelle comme ça? Tu pourrais éviter de m'appeler comme ça pendant le restant de l'émission. Qui t'appelle comme ça? Ah non, je dirais pas qui. Mais en tout cas... On va faire un deal. Si tu le dis, on t'appelle pas New New. Non, 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 non. C'est comme bon, la place, ça va, j'ai compris. New New. Ça va. Quelle est la dernière personne que tu as eu envie de tuer? Moi? Quand tu dis toi, tu parles de New New. Ouais, exactement. Et Dieu dans tout ça? J'y crois pas. Ah bon? Mais je pense à... C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, dans mon bain, j'ai essayé de réciter notre Père. Ouais, c'est bien comme endroit. Ça fait bénitier géant, c'est bien ça. C'était... Non mais ça part d'un bon sentiment. Ça fait du bien, ça fait du bien. Mais tu vois, ça t'a fait du bien. Ouais. Continue. Écoute, ouais, je vais essayer. Qu'est-ce que la vie vous a appris? Être heureux, c'est maintenant ou jamais, je sais pas. Ouais, le présent. Bonheur, le bonheur, c'est maintenant ou jamais, c'est la phrase, je crois. Comment aimerais-tu mourir? Je sais pas, comme Jim Morrison dans un bain. Quel est le mot que tu ne supportes pas d'entendre? Par gnou-gnou, bien sûr. Ah là là, je crains le pire avec ce gnou-gnou. En ce moment, c'est Clearstream.
Ah ouais. Ah ouais, parce que je trouve ça laid à entendre et j'arrive pas à le prononcer. Ouais. Ouais. Ça me gonfle un peu. Tu comprends pas très bien ce qui s'est passé en fait. Je comprends rien. Nous non plus. Voilà. Ouais. Ouais. T'es pas toute seule. Est-ce que tu as menti pendant cette interview ? Je suis comédienne. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.